Je vais vous montrer comment on pourrait faire une petite boîte avec les gabarits Artecut. Ce sont des petites boîtes qui vont pouvoir vous servir pour vos petits cadeaux à Noël ou à des goûters d'enfants. Ces petites boîtes ont été réalisées grâce aux gabarits Artecut. Vous avez toute une série de boîtes ou de formes qui sont prêtes à découper. Voilà les gabarits Artecut. Ils se présentent sous forme d'une plaque en plexi avec des fentes et des rainures et d'un coussin en mousse qui est très utile pour permettre le passage du cutter à lame pivotante. Vous allez choisir une feuille de scrap, vous allez la mettre entre le mousse et la plaque Artecut, toujours la face que vous désirez travailler vers le haut, ici donc l'endroit vers le haut. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement, vous pouvez commencer à découper à l'aide d'un cutter à lame pivotante. Donc, vous voyez, la lame tourne sur elle-même. Le cutter à lame pivotante, vous allez le passer dans les fentes marquées d'un C. Le C signifie cut, couper en anglais. Vous avez aussi des petites fentes marquées d'un F qui signifie fold, plier en anglais. Et là, vous allez les passer avec le plioir. Donc, je commence avec mon cutter à lame pivotante. Je le place bien droit, bien vertical par rapport au gabarit afin que la découpe soit nette. Et je découpe. Pour les petites encoches qui vont servir à passer un ruban, j'utilise plutôt un cutter droit. Marquer les pliures de la boîte. Pour ça, nous utilisons donc un plioir. Nous passons sans trop enfoncer, de peur de déchirer le papier. On passe dans les rainures. Marqué d'un F. J'ai toutes mes pliures, toutes mes découpes sont faites. Je peux maintenant enlever mon gabarit. Mais la forme ne se détache pas pour autant. Pour terminer la découpe, j'utilise des ciseaux fins qui vont me permettre de découper tous les raccords qui n'ont pas été découpés. Et voilà. Ma boîte est entièrement découpée. Maintenant, je vais la plier. Et puis l'intérieur. Je vais mettre une bande de colle là-haut. La boîte va venir se fermer. Je ferme le bas de la boîte en glissant les encoches et les bords latéraux dans les encoches. Je glisse la pâte dans la fente. Voilà. Et ma boîte est terminée. Et je peux glisser un petit ruban dans les